Coucou gang! Aujourd'hui, je voulais vous présenter un produit que j'ai utilisé pour un projet personnel. Pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà que je suis une fan finie d'Harry Potter et tout ça. Donc, je voulais me faire un mandragore pour décorer mon bureau. Je voulais pas le faire en n'importe quoi. Je voulais utiliser de l'argile, je voulais que ça soit solide et tout, mais j'en ai jamais fait. Puis, j'ai commandé sur Amazon ce produit-là, de Crayola. C'est de la pâte séchant à l'air. Ce qui est vraiment le fun avec cette pâte-là, c'est que, OK, le pot, là, sérieusement, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à l'ouvrir, comme là encore. Parce qu'il y a vraiment des petites poches. Par contre, ça permet que l'air reste vraiment à l'extérieur, donc ça sèche pas, même si ça fait un bout. Comme là, ça fait 2 semaines que j'ai fait mon mandragore. Puis, la pâte est encore très, très malléable. Il n'en reste pas sur les mains. Ça, c'est génial parce que ça fait pas de dégâts, peu importe ce que tu fais comme projet. C'est sûr que le temps de séchage va varier selon le projet. C'est-à-dire que plus il est épais, plus ça prend du temps. Dans mon cas, ça l'a pris, je crois que c'est 24, non, 24-48 heures. Non, ouais. L'extérieur était vraiment plus sec 24 heures. 48 heures, ça semblait tout être bien correct, donc j'ai commencé à peindre sur mon argile. Puis, j'ai pas mis de scellant, j'ai pas mis de couche en tant que telle de pré-peinture. Le mot me manque. Puis, j'ai pas mis de vernis non plus. Puis, la peinture, elle tient A1. Donc, c'est ça que ça a donné. C'est quand même assez gros. La couleur de base, c'est vraiment un petit blanc. Moi, pour commencer, j'ai mis une couche plus pâle avant de mettre mon brun, puis faire tous les ajustements. Donc, c'est ça. Ça sèche, c'est dur, c'est solide, puis la colle chaude, ça résiste. Donc, c'est parfait pour plein, plein, plein de projets créatifs avec les enfants, même pour les adultes si vous voulez faire des petits bijoux. Quoi que ce soit, ben je pense que ça peut être une option. Donc voilà, pour moi c'est un thumbs up pour ce produit-là. Puis il est vraiment pas cher. Je sais pas où on peut le trouver en tant que tel. Moi je l'ai trouvé sur Amazon, la livraison était super rapide. Puis bravo à Crayola, super produit.